On va aller voir les spécificités ensemble. Vous allez voir, c'est écrit ici. Là. Donc on est sur une batterie de 48 volts et de 7,5 ampères avec 360 watt-heure. Là. Donc ici on a le port de charge, ici. Et ici on a la clé. Alors c'est pas une clé de contact, hein, comme certains ont pu le dire, hein, parce qu'ils font toujours ça vite fait. Ici c'est une clé qui permet de verrouiller la batterie pour éviter qu'on se la fasse voler. Il suffit simplement d'insérer la clé qui est fournie avec. Ça va déverrouiller le petit loquet. Et ensuite, bon, il faut retirer la selle pour pouvoir sortir la batterie. Mais voilà, ça permet de garder son vélo dans le garage ou là où vous voulez. Et puis de pouvoir récupérer la batterie. Et surtout l'hiver. Alors, surtout l'hiver, ne laissez pas votre batterie dans le garage. Hein, et ne la laissez pas charger à 100%. Mettez à entre 70 et 80% de charge dans votre batterie, ce qui vous permettra de la garder plus longtemps, parce qu'on s'en sert très souvent l'été. Hein. Moi, je m'en sers toute l'année, mais bon, faut vraiment là, au niveau du stockage, faire attention à ne pas la laisser l'hiver et toujours charger à 100% si vous ne l'utilisez pas.